Yo les amis, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Adopt Me. Et oui, aujourd'hui c'est le grand jour. Adopt Me vient tout juste de sortir sa toute nouvelle mise à jour. C'est donc la mise à jour de Noël. Et comme vous pouvez le voir, vous avez déjà l'un des pets qui sont sur cette nouvelle mise à jour. Et du coup, il y a un pet à débloquer. Donc je vais cliquer sur débloquer pour voir. D'accord. Ah, il est quand même à 1000 Robux. Ah, ça fait quand même. Excusez-moi. Ça fait comme l'ancienne mise à jour. Ils mettent des pets à Robux. Mais je trouve que c'est un peu cher. Ils auraient pu mettre ça à la limite 700, 750. Je pense que c'est plus convenable. Du coup, on appuie sur play, les amis. C'est parti, parents. Voilà. Ok. Je récupère mes petites récompenses. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà été chercher un des nouveaux pets de la nouvelle mise à jour d'Adopt Me, qui est la mise à jour de Noël. Donc voici le pet en question. Alors lui, il est normal, je crois. Il est tout en bas. Ah non, presque tout en bas. Ok, il est juste là, avec la petite étoile. Et je l'ai acheté pour 15 000 pains d'épices. Mais je vais vous faire voir tout dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez vous téléporter directement là-bas, vous avez un petit sapin bleu avec des cadeaux en dessous. Du coup, vous allez dessus, vous appuyez sur Yes. Comme vous pouvez le voir, j'ai des pains d'épices. J'en ai 303, mais tout à l'heure, j'en avais 15 000. C'est parce que j'avais acheté ce pet-là. Du coup, nous voici arrivés. Alors ici, bah, on connaît, hein. Ici, c'est les tarifs pour 2900 pains d'épices. Pour 2900 pains d'épices, vous payez 20 Robux. Pour 80 Robux, vous avez 100. Non. Vous avez 11 750 pains d'épices. Pour 295, vous avez 45 000 pains d'épices. Pour 580 Robux, vous avez 90 000 pains d'épices. Pour 1195 Robux, vous avez 100, 188 000 pains d'épices. Et pour finir, pour 3450 Robux, vous avez 550 000 pains d'épices. Donc, ouais, voilà. Du coup, voici les fameux pets. Alors, tout ça, les amis, profitez dès maintenant. Bon. On a le temps, mais profitez dès maintenant, car je vais y arriver aujourd'hui. Nous avons 35 jours avant que la mise à jour ne disparaisse. Comme vous pouvez le voir, les amis, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, si vous étiez déjà là à l'époque, l'année dernière, je vous avais déjà fait voir cette partie ici. On pouvait même parler aux pingouins et nous donner 300 pains d'épices comme les 300 que j'ai là. Je les ai déjà récupérés du coup. On peut faire du patin à glace en cherchant des petits pains d'épices et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils l'ont remis. Mais le seul bémol, c'est que en gros, ils ont laissé les pingouins là sur la banquise. Genre, ça peut nous gêner quand on ramasse les petits pains d'épices, mais bon, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Ils ont déjà mis une ancienne mise à jour. Ils ont mis une petite partie d'une ancienne mise à jour d'Adopt Me, on va pas leur en vouloir. S'ils pouvaient faire la même chose pour les pets, genre on pouvait, si on peut, vous voyez par exemple, avoir tous les pets quand on veut. Par exemple, ceux de cette mise à jour là, s'ils peuvent les laisser et tout. Mais je pense qu'on peut se mettre le doigt dans l'œil et ils vont pas les remettre ces pets ceux-là. Donc c'est pour ça que je vous dis les amis, dépêchez-vous pour aller les chercher, car sinon bah il y en aura plus, puis ça sera plus en plus rare et plus en plus difficile à les avoir. Il y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire sur cette mise à jour les amis.
Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. Donc là je fais ma petite mission, voilà, ma petite mission avec les petits pains d'épices, voilà, c'est facile. Hop, voilà, attention au pingouin. Hop là, oh, je l'ai échappé celui-là. Hop, voilà. Et du coup, j'en ai récupéré 640 pains d'épices. Là, je suis arrivé à 943 pains d'épices. Du coup, les amis, nous allons à nouveau vers les pets de la nouvelle mise à jour. Parce que en fait, il y a une petite mission qui m'a interrompu. Du coup, voici les pets en question. Alors celui-là, il est à 50 000 pains d'épices. Bon, je ne l'ai pas encore acheté parce qu'on ne va pas se cacher, soit un peu cher. Il y a celui-là que je viens d'acheter, enfin tout à l'heure. Il est à 15 000. Il y a celui-ci qui est à 120 000, s'il vous plaît, les gens. À 120 000. Mais c'est énorme. Mais après, on ne va pas se plaindre parce que c'est des pets qui ne sont pas à Robux. Donc, merci beaucoup, Adopt-Me. Et celui-là, pour finir, bah, c'est le Ice Golem. Il est pas très joli, on va dire. Enfin, les gens qui vont payer ça 1000 Robux, et bah, dit, vous avez de l'argent à foutre en l'air. Mais après, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Hein. Mais je trouve ça un peu cher pour ce genre de pets. Après, vous avez la voiture, les amis. Ah, la voiture, elle est trop belle. Ça fait vraiment décor de Noël. En même temps, on est Noël, j'ai envie de vous dire. 10 000, franchement, ça va. Je vais l'acheter vers la fin parce que c'est pas celle qui m'intéresse le plus. C'est plus les animaux. Les objets, je verrai en dernier aussi, peut-être, parce qu'il y a des objets, genre... Ah, il y a ça, je n'ai pas fait voir dans la vidéo aussi, les amis. C'est un peu comme le système des chats, les trois chats, comme la mise en genre d'Halloween. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous laisse aller la regarder. C'est 15 000 pour ouvrir une boîte. Et dans cette boîte, vous pouvez avoir soit le phoque jaune qui est golden, enfin, genre il est rare, parce qu'il est jaune, et il est rare. Et vous avez le normal qui est ici, qui est marron. Du coup, je trouve qu'ils sont trop mignons, ces petits phoques. Je sais pas... Dites-moi en commentaire si vous trouvez que les petits phoques sont tout mignons. Et après, ensuite... Ah, ça fait vraiment décor de Noël. J'aime trop l'ambiance. Oh là là. Et là, on a le fameux calendrier de l'Avent. C'est génial, les amis. Donc, au moment que je filme cette vidéo... au moment que je filme cette vidéo... Excusez-moi. Vous n'avez rien entendu. Au moment que je filme cette vidéo, les amis, vous pouvez, dès maintenant, aller sur la case. D'ailleurs, la case, elle est vide, comme vous pouvez le voir. Sur la case 1, ça va vous donner ce jouet-là. Qui est là, je crois. Attendez, je ne trouve plus l'objet. Normalement, c'est dans les jouets. Ah, il est là. Voilà, vous voyez le petit pain d'épices avec le tour rouge. Et bah, vous avez ceci dans cette case-là. Du coup, on continue. Et à la fin du calendrier, les amis, de l'avant, vous avez une petite surprise. Vous avez une toute petite surprise. Alors, toute petite surprise. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vous ai pas fait voir tous les pets qu'il va avoir à cette mise à jour. Oh, bah, je suis tombé. Je vous ai pas tout fait voir, tous les pets. Vous avez un dernier pet qui se trouve, devinez où ça. Je vous laisse chercher. Il est tout en haut, les amis. Il est tout en haut. Et je vais vous le faire voir dans quelques instants. À quoi ressemble donc ce pet? Faut encore monter. Je crois qu'il y a 6 échelles, si je me trompe pas. Faut encore monter. Hop.
Voilà. Voilà. Voilà le pet en question, les amis. Il est juste magnifique. Oh my god, les amis. Ce pet sera, sera disponible le 25 décembre. Du coup, il est trop trop beau. Genre, je le veux tout de suite, celui-là. Je le veux tout de suite. Et en plus, Adopt Me qui nous l'offre sans qu'on paye rien du tout. Sans même pas des pains d'épices. On paye même pas des pains d'épices. On paye rien du tout. Même pas des Robux. On l'a gratuit. Apparemment, sur une des mises à jour, des anciennes mises à jour d'Adopt Me, il y avait une mise à jour avec un calendrier comme ça. Bah, c'est celle de 2019. Et à la fin du calendrier, il y avait un des rennes du Père Noël qui était ici. Je crois que c'était le marron, c'est pas le blanc. C'était le marron ou le blanc, je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous étiez là à la mise à jour de 2019 d'Adoptomy. Parce qu'apparemment, il y avait cet événement-là aussi, mais apparemment, il n'était pas ouf. Mais après, Adoptomy a évolué depuis le temps, heureusement d'ailleurs. du coup, les amis, bref, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'avais dit au départ que c'était une petite vidéo. Ah, c'est une assez grande vidéo pour le coup. Mais voilà, du coup, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao. Bye.